Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode Papy Corse Éclat de Shark Survival. Il est 19h46, nous sommes le vendredi 28 février 2020. Bon bah je vais me mettre... Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Est-ce que t'as des flèches enflammées? Oui. 14 seulement. Comment on fait avec du soufre? Le carburant, je crois. Le carburant? Ah, puis j'ai perdu mon pic, enfin tout. Oh, purée, c'est pas vrai. J'ai tout paumé. Bazooka, je vais prendre des bazookas. Attends, je vais me péter son truc. Moi, ça va être vite fait. Tac, tac. Enfin, j'espère. Une lance. Je vais prendre une lance. Une hache. Je prends une hache. Une épée, j'en ai plus. Il va falloir que... Ouais, 1200 machin, l'épée. Les gourdes, j'en ai plus. C'est quoi ça? Missile téléguidé. Tu mets ça dans quoi? Missile téléguidé. Bon, on va le prendre. Peut-être que ça a marché avec le bazook. Missile téléguidé. Ouais, il va dans le bazook. Voilà, il va dans le bazook. On va essayer. Jamais fait. Flèche enflammée, il faut quoi pour faire? Je sais pas si je les ai... Rechercher flèche. Ah ouais, c'est appris sur Scorch. Il faut que ce soit sur Scorch pour le débloquer. Bien. Bon, bah moi je peux. Flèche et carburant, ouais. D'accord. Allez, pas de problème. Carburant, des fioles jaunes. Ah d'accord. Et il serait où? L'arbalète ou l'arc pour les envoyer? Hein? Arbalète. Allez, hop. Ok. Ouais, ouais, j'ai pris. Donc ça, ça. Carburant, tu sais pas où c'est par contre. Ressources rares. Ah, d'accord. Ok. Coffre-fort. Non, il y a pas. Je vous laisse, je vais manger. Bon appétit à tous et bonne... Ouais, bonne soirée, Kaiser. À plus, hein. Ciao, ciao. Donc, c'était bien celui-là, les perles noires. Ouais, perles noires, hein, c'est celui-là. Ouais, non, ça y est pas. Non, j'y vais. Non plus. Bah ouais. Ah, attends, c'est... Non. C'est jaune, hein, tu m'as dit. Alors, on va essayer de trouver. Non. C'est quoi, ça? C'est de la bière? C'est quoi, ça? Pinte de bière, hein, c'est pas ça. Ça, c'est les armes. Je pense pas que tu as mis ça dans les armes. Bon, c'est pas grave. Hein. Avec les chibis. Non plus. Dans le centre d'usinage. Non plus. Dans l'atelier. Non, moi je sais pas, hein. J'ai pas cherché tous les coffres. Hein. Tant pis. Bon. Des grenades, on n'en a pas. Non, on n'en a pas.
pas de grenade. Là, j'en ai 19, je vais prendre un autre bazooka. Voilà. Ok. Je vais peut-être m'habiller, voir ce qui reste. En plus, j'avais du mythique. Les pieds, la tête, les mains, torse, pantalon et le torse. Je suis à combien là? 1348, ouais, c'est pas mal. Ok, donc on va prendre de la viande. Voilà. On va prendre une cryo pour le ptera. Si j'ai. Ouais, j'ai. Ok. Et on va prendre un ptera. Hein. On va plus vite. Ptera nous donne. Ok, j'arrive. Il faut que je le pose déjà. Comment ? Les flèches enflammées ? Ah bon ? T'as une arbalète mythique ? On va peut-être récupérer des balles de tourelle là-bas en fin de compte. Bah ouais. Comme ça on va pouvoir les mettre pour les wyvernes. Faudra aller chercher du lait hein, sur Scorch. Hein. Donc demain ou après-demain. Hein. Ah ça m'énerve pour le Spino. J'avais une crête, j'étais content. Je l'aurais mis dans la wyvern, donc ça aurait été pareil. Hein. Oui, la fin. Oh, c'est pas grave, c'est le jeu, hein, de toute façon. Hein. Mon Terra. Non, 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 je l'ai. Hein. Il est derrière le petit rocher. Hein,
là où tu m'avais vu la dernière fois. Hein. Je vais poser là. On a pété deux. Il y en a combien, tu sais, non? Il y en a pas mal. Oh, se faire péter par des plantiques, c'est vraiment les noobs. Hein. Scusi. Cela va, il te reste encore des wyvernes. Ouais, bah c'était la niveau 10 que je me suis fait péter. Et bon, c'est la crête qui m'en kikine le plus. Et puis mon épée mythique, quoi. Faut que j'en fasse une. 1200 et quelques lingots. Tout ça à cause de plantique, ça laisse tomber. Là. Puis ma petite wyverne de niveau 10, quoi. Qui était montée au 154. On va passer un échelon de plus, hein, mais là on est en train de péter les plantiques, hein, une fois, pas deux, hein, Nico, hein, ça c'est clair. Comme ça on ira récupérer les balles de tourelles qu'ils avaient mis dans les tourelles. Et puis ça va servir pour la Wyvern Alpha, hein, on va essayer de trouver la Wyvern Alpha, et puis la dégager, et puis ramener le lait à nos Wyverns, parce qu'on ne peut plus les développer, ils ont besoin de lait. Donc on les a mis en cryo, là. Enfin, les miennes toujours. Oh là, attends, je suis où là? C'est où? Ah, c'est là-bas, d'accord, ok. Alors, voyons voir. Bah non, j'ai pas trouvé, non. J'ai un corps en bas. Non, bah non, c'est pas celui-là. Bon, on va essayer de voir ça de là. T'es en train de péter quelque chose ou pas là? Merci Black pour ton follow. T'as une autre Plantix? Bon, bah, c'est génial. Ah, j'ai pas de longue vue. Oh, mais c'est pas possible. Tu les as comment, toi? Moi, je les vois pas, les Plantix. Il y en a tout le tour, non? C'est ça? Oh la vache. Alors, attends, on va essayer de prendre ça. Alors, ça, c'est le téléguidé. Je sais pas comment que ça marche. Missile téléguidé. Alors, bon, on va essayer de péter ces deux-là. On verra bien. Voilà. Oups. Oups. Bah oui, il y a pas mal de dégâts, j'en ai eu deux en même temps, je crois. Même les pics, ils ont dégagé. Avec les autres, bon, quand tu as pas de... Ouais, tout à fait, ouais. La Wyvern, on y prend goût, hein, t'avais raison, Nico. Hein. Ouais. Bon, bah là, j'ai envoyé un missile téléguidé, bah c'est pas mal, hein. C'est pas... ça fait bobo. Hein.
Bon, on va essayer avec les autres missiles maintenant. Alors, voyons voir. J'en ai 19. Bon, ça devrait aller. Hein. Ça fait peut-être moins bobo, je sais pas. Je vois pas trop la différence entre le téléguidé et le normal. J'en ai 14, moi. Ah ouais? Ouais, j'en ai eu deux apparemment. Allez, hop là, on va essayer de péter celle-ci. Hop là. Ah, pas touché. Donc un peu plus haut. Hop, on va péter un peu plus haut. On va viser un peu plus haut. Voilà, on va viser comme ça. On verra bien. Oh yes, what again, it's a four. Donc là, normalement, ça y est, il n'y en a plus par là. Alors là, on va attaquer plus haut. Voilà. Badaboum. Super. Ensuite. Bah, de ce côté-là, j'en ai plus. Bon, normalement, de ce côté-là, j'en ai plus. On va peut-être pouvoir aller voir mon corps là-bas, mais je pense pas que... Voilà, là, je peux y aller tranquille, tranquille. Ah non, là, je m'étais fait péter par un trodon. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. J'ai que j'ai 14 flèches, si tu veux, mais bon. Après, je peux les péter avec le bazooka. Bah là, je monte chez eux, là. Puisque j'ai pété tout le flanc, là. Il en manque une. Il y en a une ici. Voilà, je prends des risques, voilà, je prends des risques. Arrachage, vite, 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 voilà. Ouf, j'ai pris des risques. Eh, oh, 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 oh. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, oh, oh. Tu vas la détruire. Ah ouais, ouais, je vais détruire sa base, hein, ça c'est clair. Hein. Bah oui, attends. C'est en kikinant leurs histoires, là. Alors, j'en ai une ici. Bon, alors, attends, je vais me... Ah. Alors c'est où? C'est là. Ok. Donc je vais le mettre ici. Ah oh ouais, je vais détruire cette base là. Au moins les plantis, qu'on puisse passer tranquillou et voilà, que ça ne nous refasse pas le même coup avec ma wyvern. Ah ouais ouais, non mais là, comme un bleu, je me suis fait avoir. Bon, on va péter là. Vas-y. Non, là c'est loupé. Voilà, là j'ai gagné quelque chose, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est Plantix. Ouais, attends, je vais te les mettre dans ton aigle. Le Ptera, tu l'as repris? Ah d'accord, ok. Voilà, tiens, je te le mets dans l'aigle, hein, t'en as 14. J'ai des flèches normales si tu veux, ça sert à rien. Ok. Bon, moi je vais essayer de péter les autres. Puis avec ton aigle, tu pourras prendre les balles comme ça. Hein. Ouais. Ah, il me tire dessus, la bourrique. Ok, ça marche. Tu vas la détruire. Avec le lance-roquette, ouais, c'est nickel. Hein. Soit. Je préfère le lance-roquette ou les grenades. C'est le mieux. Les flèches, c'est trop long. Mais le lance-roquette, je crois que c'est plus le plus radical. Hein. Pour les Plantix, hein. C'est quoi ça? Oh. Ah non, non, le fais pas tomber. Non, non, fais pas tomber mon Ptera. Ah, il m'a fait tomber mon Ptera, le bourricot. Bah, les dimos, les dilos. Ah, vas-y, bouge, tiens, mange. Voilà. Attends, j'use un machin, puis moi, je me suis fait péter la chetron aussi. Oh là là, il m'énerve. Hein. Ah vas-y bouge. Oh là là, j'ai un autre dilo qui me prend le chou. Ah c'est pas possible des... Hein? Ah ouais tu l'as? Attends, je suis presque mort moi. Attends, les dilos là, pourris. Tu... Ouais j'ai une armure mais j'ai pas d'épée. Ah j'ai un machin, zut, j'ai pas vu. Allez hop, tiens mange, 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 mange. Voilà, allez terminé, vas-y bouge, bouge, bouge. Allez hop, voilà. Ah je croyais que j'avais pas d'armes de poing là. Pff. Ouais, tu peux me le ramener, c'est bon, j'ai fait le ménage. Ah, purée, des... Bon.
Bon, encore un coup, je me fais avoir. Bon, attends, je vais manger un peu, tiens. Alors, hop, petite plantix ici, là, qui m'a tiré dessus, là. On va essayer comme ça. Voilà, dégagé. Bon. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Il est où le piaf? Tu me l'as... Ah, il est là, super. Ah, attention! Ah non, 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 non! Ah, vite! Ah, tchè, 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 tchè. Ah, c'est la grosse galère, là, dit. Ah! Tu le pètes ou pas? Bah, Ah, purée, mais non, c'est quoi ton histoire? Oh là là! C'est pas possible. C'est quoi ça? Tour verte. Non, je vais pas aller là. Oh, je vais ramener encore un oiseau, mais faut arrêter là, bordel. Non, mais les... Tu l'as pété, le grande griffe? Ah ouais. Niveau 5. Attends, il est PVP ton serveur. Oui, oui, il est PVP mon serveur. Ouais, tout à fait, Roplix. Je l'ai mis en PVP parce que on faisait des... Bon, on jouait tous ensemble si tu veux. On était plusieurs sur le serveur, on jouait tous ensemble. Mais on faisait des maisons spécialement raides pour que les autres ils puissent attaquer, tu vois. Donc il y avait des petites maisons à raider avec un petit coffre à l'intérieur. Si on l'avait raidé, on avait une récompense. Une petite récompense. Après, il y avait des maisons raides moyennes comme celle-là qu'on attaque justement. Ceux-là, on a le droit de les attaquer. C'est spécialement pour les raider. Et donc, il y a un petit coffre à l'intérieur, normalement, avec une moyenne récompense. Et après, il y avait des grosses bases qu'on pouvait raider avec une grosse récompense si on arrivait à rentrer à l'intérieur. Voilà. C'est pour ça, mais c'est en PVP. Donc là, maintenant, on est 4 sur le serveur privé. Et on fait tous partie de la même tribu. Donc, on a arrêté de faire les maisons raides, c'était pour s'entraîner, quoi, voilà, c'est tout. Mais on avait chacun notre base, et la base principale, on n'avait pas le droit de la raider, bien sûr, hein. C'était interdit. Hein. De quoi? Ah. Ouais, c'était cool, ouais, ouais.
C'était pas mal. Et on faisait des échanges. Par exemple, je disais, je sais pas moi, tiens, il me faut 1000 lingots de métal. Donc, celui-là qui jouait avec nous, il disait, bah, tiens, moi, je les ai, il me faudrait du ciment, il m'en faudrait 2000. Allez, 2000 ciments contre, voilà. On faisait des échanges et voilà. Mais on se donnait rien, il fallait échanger, voilà, il fallait commercer, tout ça. Et dès qu'il y avait un boss à faire, ben, on se donnait tous rendez-vous et puis on faisait le boss ensemble. Non, c'était bien, c'était génial, super. Et celui-là qui a fait la base, là, que je suis en train de péter, il était là tout à l'heure, il était mort. Bah, tu peux voir, hein, c'est pas court. Il était mort de rire, là. Mais c'était le jeu, hein, voilà. Alors, voyons voir, là, j'y suis. Il faut que je récupère mon corps. Rapidos. Oh, il y a encore un dilo, mais attends, ils me prennent le chou, les dilos, là. Donc, lui, je pense que... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On va le péter. Voilà, dégage. Ensuite, il y a l'autre avec mon lance-roquette. Normalement, ça devrait être bon. Je les ai tous pétés, les machins, par là. Bon, il y en a combien de... Il n'y en a plus beaucoup, normalement, de Plantix. Oh, mais vas-y, bouge-toi. Ouais. Voilà. Ok. Du coup, vous vous dites où se trouvent les bases, où vous les trouvez en vous. Non, non, on se dit pas où sont les bases. Par contre, sur les bases, il y a un grand, on met un grand panneau. Et on marquait base à raider. Voilà, donc on était autorisé à raider cette base. Voilà. Non, non, c'est en se baladant, ils nous disent rien, on peut aller dans une forêt et puis s'en prendre plein la poire avec des tourelles. Hein. Non, non, c'était le petit truc stratégique, quoi. C'est sympa. Sympa. Oh la vache, il y en a encore une là. J'avais pas vu. Ouais, 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 il y en a une qui est planquée là dans les pics. Donc je vais péter les pics, j'ai pas vu. Oh, 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 pourquoi elle me tire encore dessus? Attends, je suis vachement loin. Ah vache. Ouais. Voilà, comme ça, ça nous apprend à raider les bases. Hein. C'est sympa. C'est sympa. Donc, je sais pas où elle est, là. Je l'ai pas vu, l'autre, là. C'est calé. Elle doit être derrière les pics, on verra bien. Ah, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Hop là. Voilà. Comme ça, on s'entraîne. Voilà, dégagez, il n'y en a plus là. C'est celle-là? Il y en a une autre? Là, j'en vois plus. Ah, là-bas au bout, d'accord, ok. Donc là, je vais essayer de m'approcher avec l'Optera. Si je me mets derrière leur petite maison là. Voilà, si je me... Ah là, tire. Si je me mets de ce côté... Oh la bourrique! Ah vite! Descends, vite! Voilà! Oh la vache! Il y en a encore, hein! Ils les ont planqués avec les pics, hein. C'est dingue! Hein. Donc là, me tire pas dessus, non, c'est bon! Là, j'en ai une, je crois! Ouais! Là, j'en ai une! Donc faut viser un peu plus haut parce qu'on va perdre de la. Normalement ça devrait être bon là. Badaboum. Alors attends, je pète les pics, on verra bien. Parce que là je vois rien du tout avec les pics. Ah ouais d'accord, ok. Ouais ouais, ils ont mis le truc élevé. Hein. Voilà, on va mettre ça comme ça, on verra bien. Yes. J'en ai une là. Comme ça, on nous, tu vois, ça nous apprend à, pour les viser et tout. C'est pas mal, c'est pas mal. C'était vraiment un truc sympathique pour nous aider à raider. Ah, lâcherie. Hop là. Voilà. Là, il me tire plus dessus. Non, c'est bon.
Voilà, donc je suis planqué derrière la maison. Hein. J'aime beaucoup le concept. J'aimerais bien faire ce genre de base pour qu'elle se fasse raider. Ah ouais, il n'y a pas de problème, réplique ça. C'est vraiment un truc sympa. Tu fais ta base, une petite, une moyenne, une super grande. Et bah, tu laisses les autres essayer de la détruire, mais il faut une récompense à l'intérieur de la baraque. Tu vois, ils ont fait des trucs à tourelles, ça c'est la moyenne. Et dans la baraque, normalement, il doit y avoir un petit coffre avec un truc sympa, une épée mythique ou un truc comme ça. C'est une récompense pour ceux qui ont pu réussir à raider. Voilà. Tu vois, c'est Paco. Hein. Paco et Tino, il y avait Paco. Hein. Tu vois, il était là et il était mort de rire. Mais bon, c'est le but, hein, c'est le but. Hein. On s'attaque et on rigole, tu vois, voilà. C'est pas mal. Olé, oh là, je vais m'en rigoler. Je sais pas. Je pense pas. Je vais faire... Ah ouais, attends, hein, je vais faire vite. Là, j'ai fait vite. Oh là, il m'a pété une... Je l'ai eu ? Ouais, mais il m'a pété un machin. 3 ? Bon, on va essayer de... L'autre côté ? Bon, j'ai laissé mon Ptera. Alors, ça tire, ça tire. Ah ouais, d'accord, ok. Vite, vite. Ah, zut. Purée. Est-ce que je l'ai eu, non? Ah, Boricos. On arrive au bout là, de toute façon. Faudra revenir avec du C4 pour ouvrir leur baraque. Hein. Je le fais pas au lance-roquettes. Hein. Il en faut trop. On va amener du C4. Encore 4. Ouais. T'as rentré tous les terrains, il n'y en a plus. Non, dans la base à Gaston. Ah. Donc merci de m'avoir suivi. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao, bye bye.